Bonjour internotatrice et internotateur, ici Galden pour les Jeux du Cygne. Deuxième match contre Solowan dans le tournoi Sauvement pour les Braves. J'ai perdu la première et je vais essayer de faire mieux sur la deuxième. Alors, comment que je me place? Donc déjà, je vais essayer de ne pas mettre mon canon dans un coin. Mais là, il y a un peu moins d'obstacles. Bon, il y a de la forêt quand même, mais... Sinon, je mets le canon, si je peux le mettre là quand même. C'est quand même mieux si je le protège un minimum. Je vais mettre eux ici. Il y a peut-être moyen que j'arrive à choper l'objectif au premier tour. Je vais laisser le wizard en plein centre. Qu'est-ce que je fais de ma cave? Voilà, Maca, si je vais essayer de contester son deuxième. Alors, je vais me faire mettre comme ça. Parce qu'il y a des chances qu'il ait mis ses trolls au centre pour essayer de choper l'objectif là, le contester. Donc, il vaut mieux que je mette mes halbardiers en face. Et là, on va se dire que la cavalerie va arriver à gérer seule. On va se le dire, mais c'est pas sûr. Je vais me mettre dans la forêt aussi pour éviter de choper quelques tirs. Eh ben, j'ai tout faux. Ok. J'ai vraiment tout faux. Est-ce que... Je peux... Là, il arrive à tirer avec ça. C'est abusé. C'est n'importe quoi. Comment ça se fait qu'il puisse tirer avec sa baliste qui est... Elle a un pixel dans la forêt, du coup, elle voit à travers tout. Je vais passer. De toute façon, je peux passer le premier coup. Donc, il va falloir que je le joue plus malin que lui à gauche. Pas arriver à le prendre de flanc. Lui, il peut tirer comme il veut, mais moi je peux pas. C'est quand même vraiment. Et là, il a fait en sorte que je ne puisse pas tirer sur ses trolls. J'aurais dû tirer sur les trolls. J'ai pas pensé. Et c'est sans doute une erreur que j'ai faite. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est le. L'habitude. Bim. Seule balise qui pourra tirer sur mes chevaliers. Ça, c'est pas un obstacle impassable. Ah, merde. Petit défaut de graphisme, là. Bon, j'en ai fait quelques-unes des batailles sur cette carte, mais parce que c'est les mêmes en solo et en PvP. Bon, ça c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire avec mon wizard?
Wizard et mes Engunners. Le souci, c'est qu'il faut pas que je me bloque ma ligne de vue. Je vais peut-être tout de suite aller chercher le tir sur ses orques. Et la petite boule de feu. J'ai pas fait tirer mon canon, il est un peu coincé. Je sais pas trop quelle est la portée, une portée de 8. Ça, c'est une portée de 24, si mes souvenirs sont bons. Donc une portée 8 en toute logique, c'est 3 fois moins. Coucou Amino, bienvenue sur le live. Portée de 8, ça doit être un truc comme ça à peu près. C'est la portée de C'est l'heure son du web. goûter. C'est l'heure du goûter? Ouais. qu'est-ce qu'il a fait du coup? Ah, il n'a pas bougé. Bon. Eh ben, bon goûter, Mino. Je joue contre Solowan, c'est écrit en haut à droite. Ah, c'est le signe qui a faim. Pardon. Oui, en effet. J'avais pas regardé. Alors, il me reste mon canon. Donc mon canon, il veut pas me donner des cibles juteuses. Ah si, ainsi, je peux tirer sur son. Ah ça c'est rigolo quand même. Je peux tirer sur sa baliste qui n'est pas. C'est catastrophique. Le tir de canon et de boule de feu, c'est catastrophique. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a moyen de plus le prendre de flanc? Je ne pense pas. Bah ouais, c'est un peu ça. Alors techniquement, ceci dit, j'ai l'objectif. Je peux rester dans le bois. Hein. J'ai pas besoin de m'avancer particulièrement. Je peux éventuellement me coller un peu plus tout en restant. Tout en restant dans le bois. Ça me va. Tant que j'ai l'objectif, ça me fait les points. Voilà. Il ne me touchera pas. J'ai pas besoin de charger à ce tour-ci. Top, skip charge. Je trouve ça bizarre, le fait qu'il reste comme ça, planqué dans son coin. Est-ce que je fais un tir? Non, je vais passer. Ah, mais oui. Tu l'aurais fait, bah oui. Non, non, mais j'y pense pas, c'est stupide. Mais non, mais le... Oui. Oui, j'aurais dû m'avancer pour l'empêcher de contester.
Et là, il pourrait me bloquer mes deux unités en plus. C'est... Oh non, mais c'est... C'est pas très très grave, non. Bah oui. Non, non, mais je manque très très clairement de logique PVP. Alors, ceci dit, c'est intéressant. Non, c'est pas. Alors, parce que si je veux attaquer son flanc, j'expose le mien. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Mais si je fais ça, derrière, il vient avec ses trolls. Là, il peut me charger en plus. Pense pas que je puisse l'empêcher. Si, là, si je fais ça. Alors attends, je vais essayer de le faire encore autrement. Tac. Ah merde. Je vais pas arriver. Rester là-dessus. J'aurais voulu pouvoir balancer mes hallebardiers en frontal contre ces trolls, mais je vais pas y arriver. Ça joue petit. En sorte qu'il puisse pas me charger. Pour aller chercher la forêt. Hop, je vais me mettre comme ça. Puis on va bouffer de l'orquin. Mais c'est effarant. C'est réellement effarant. Deux parties, ma boule de feu, mes quatre boules de feu, j'aurais fait. Je crois jamais plus. Il faudrait revoir. À mon avis, j'ai jamais fait plus de deux ou trois touches avec les boules de feu et pareil avec le canon. Et il est un peu obligé d'attendre avec trop d'unités. Hein. Il y a un moment où il faut les jouer. Ouais, il vient de m'envoyer un message. Those fireballs, il est désolé pour moi. C'est gentil, mais. Mais bon. Effectivement, ouais, ça, c'est exactement. C'est des pétards, pas des boules de feu. C'est exactement ça. Et c'est pas des mammouths. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des claque-doigts. C'est logique. Mais je peux pas faire grand-chose contre.
Autre chose que je peux faire, c'est lui tirer des boulets de canon sur la tronche, mais... Ouais, c'était l'autre alternative. Mais en fait, c'était aussi un peu pour le forcer. Le truc, c'est que les hallebardiers, je pense qu'il aurait pas cher il aurait cherché à les éviter. Non, et puis bon, j'espérais que mes tirs soient aussi un peu plus efficaces. Hein, on va pas se mentir. Pas exactement une grande réussite. Donc, il a planqué la grosse bébête sur laquelle je ne peux pas tirer de toute façon. Ah, je peux même plus tirer sur sa baliste. C'est un peu con. J'espère que mes épéistes sont suffisamment en place pour l'empêcher de récupérer l'objectif. Parce qu'en fait, je vais peut-être... ils sont un tout petit peu trop avancés. Parce que là, comment ça va se passer? Il va charger de flanc, donc je vais pas pouvoir le charger de flanc. Oui, sauf que le match-up, clairement, il est capable de m'allumer mon unité. Hein. Il a 12 attaques, il leur colle Primal Fury. J'ai pas la place ni le mouvement pour aller là-bas. L'objectif, quand même, c'est vraiment que j'arrive à les opposer là. Façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. Ça aussi. Ouais, il y en a quand même un qui tombe, hein, merde. C'est naze que je sois le dernier à jouer. Et mon canon ne peut tirer que sur ces orques. Bon, avec un peu de bol, je tire un 6 et je les tue tous, hein. Mais ça... Enfin, la moyenne des tirs. C'est hallucinant. Je suis... Alors... Non, je lui laisse les 50 points. Je me mets... Parce que s'il s'avance là, ça lui fait une portée de charge jusque là environ. Jusque là. Là,
La seule chose que je puisse faire, c'est le charger de face, mais même en chargeant de face. Voilà, typiquement, c'est pareil, l'inexpérience parle. Je vais faire ça. Je ne sais pas de combien il peut avancer. Je vais pas tenter le diable. Façon, il n'a pas de bonus de charge. Attends, je suis en train de me dire. Donc, puisqu'il a deux armes à une main, il n'a pas de bonus de charge. Ça donne juste une attaque de plus. Donc, qui charge ou qui charge pas, ça change pas grand-chose. Allez. Ouais. Eh ben, j'aurais sans doute dû rester sur ma première innée, le signe, t'as raison. À mettre les épéistes contre les siens et. Ça aurait sans doute été plus malin. Sur quoi il peut tirer? Là, il peut tirer. Sur ma baliste, et lui, il ne peut pas tirer sur rien du tout. Je vais passer de toute façon. Déplacer, normal. Si, bon, avec le canon, je vais tirer sur cette flèche. Ah, j'y ai pas pensé, t'as raison. Ça aurait été clairement rentable. Ça aurait été nettement plus malin. J'y ai pas pensé, tout simplement. Et c'est très con. C'est très très con. Ouais. Allez, un petit 2 encore. C'est normal. De la marquise. Ouais, mais bon, si ce qui pourrait être efficace n'est absolument pas, en même temps, ça saoule un peu, quoi. Oui, a priori, bon, manifestement, il est connu sur la vidéo de. Ah, j'arrive pas à retenir son nom. D'analyse des armées. C'est un nom qu'ils avaient l'air de dire qu'ils connaissaient. Les deux commentateurs. Alors là, est-ce que je peux arriver à tirer sur ça? Sur ça, oui, son araignée, logiquement, je peux.
Je peux, sans m'exposer à ces tirs de baliste, je peux même m'avancer un peu. C'est toujours bon, normalement. Hop, et puis, bah, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que j'exce? Là, techniquement, ils ont trois défenses. Moi, j'ai 3 et 2, 5 d'art, donc du coup. Et si je fais ça, je ferai des sauvegardes sur du 6, alors que sinon c'est sur du 5-6. Et là, c'est du 3 contre 3, donc de toute façon. Je vais essayer d'influencer plus par là. Et puis, ben, on va shooter un 6 plus. Ouf, ah, j'en ai quand même 4 qui touchent. Pour une fois que je fais des 6, c'est wouhou! Pour une fois, j'ai fait un joli tir. Enfin, un peu chanceux, on va dire. Allez, Coco, maintenant que 4 touches. Clairement, ça va pas être assez. J'ai même pas vu sur qui il avait mis le. Oh là 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 là. Et même chose, il en reste un. Pourquoi je perds de deux là? Parce qu'il fait 6 blessures, j'en fais 4. Là, pour le coup, c'est pas un grand succès, mais il gagne quand même. Bon, ça a tenu. C'est déjà ça a tenu. Mais là, je me suis fait exploser. Skip charge. C'était sérieux, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Ah, la petite charge de flanc sympathique. Bon, bah, au moins, je sais sur qui je vais tirer avec. Avec eux. Allez, oui, je les ai récupérés. Je pense qu'ils vont se faire bien shooter. Ah non, mais il peut peut-être pas. Est-ce qu'il peut? Ah bah si, il peut. Ah bah, ils sont juste au bon endroit. C'est formidable. La vie est belle. Allez. Ouf, il n'a pas touché. Ceci dit, ça peut changer des choses. Ça peut l'obliger. Ah bah tiens, et là, il s'est mis de telle sorte que je puisse pas lui tirer dessus. Si je fais ça, je suis à portée. Donc, je vais mettre le plus long possible. Hey! Thanks for your comment. Ouh, là encore, je fais des tirs plutôt intéressants. Va sur eux, hein. Les petits trolls. Est-ce que j'ai pas fait une comme si j'ai bloqué complètement l'angle de tir de mon canon. J'ai. Alors, sur qui est-ce qu'il va mettre son primal? Not sure this will be this tricky. I fear that this second game is also a loss for me. lui, je peux tirer sur rien ni personne. Donc, je dois me déplacer.
Il faut juste m'assurer que je sois pas. Là, normalement, je suis pas dans l'angle. Ah, bah oui, par contre, je suis dans l'angle du chaman. C'est un peu con. Je disais, faut pas que je sois dans l'angle des trolls, mais. Ah, d'accord. Adieu. Oh non, mais non. Believe it. Seriously. I am doomed, yeah, sure. Oh God. Ouf, ça va encore. Wouhou! One kill. Ouch. Ouch. It hurts. Ah, au moins mes arquebusiers sont pas à portée de charge. C'est déjà ça. Ben, il n'y a personne qui peut charger. Et voilà, adieu. Ah bah oui, si, oui, pardon. Wouhou! Hop, allez, c'est pire que la partie précédente. Lui, il a 5 PV, lui en a 3. Hop, bim. C'est pour dire que donc je vais hyper mal placer, on se fait recharger. C'est n'importe quoi ce que j'ai. De toute façon, la partie est perdue. Donc. Clairement. Nous sommes en train de discuter sur Discord. Hop. Ouh, double 6, formidable. Sur un jet de sauvegarde dont j'ai rien à faire. Hop. Donc il me disait que j'aurais sans doute dû fuir, comme ce qu'avait suggéré le signe. Et ils ont pas si mal tenu, pour dire que. Ah. Dommage, parce que du coup il va pouvoir annihiler mon mes archers, mes arquebusiers. Ouais, je. Quelle connerie. Même là, je perds pas si mal que ça. Les orques sont vraiment très très forts. Ouais, ça, j'y crois pas une seconde. Hop, skip. Seule consolation, il me charge que deux flancs. Et je lui aurais dû tuer encore une unité de. Ouais, c'est vraiment fort. Total Physiologic disait qu'il pensait que c'était des très bonnes unités et quand même.
Pardon, skip, désolé. On cause. Hop. Allez. Rally. Eh ben non. Il va être pris entre deux feux croisés là de baliste. Aïe aïe aïe. Ouais. Bon, allez, là, il faut passer les tours. Oh, il aurait pu le retirer dessus. Mon pauvre hallebardier. Ouf. Celui-ci était meilleur. Ouais, je n'emporterai pas le chaman avec moi. J'aurais presque pu lui en tuer un. Hein. Presque. Là là. Ouf. Ouais, 200 points de score, ça fait mal quand même. Hein. Hop. Allez, yes! Bon, là, pour le coup, ils vont se faire tirer dessus, je pense. Ah, ça sert à rien. Il pourra pas le jouer. Bim. Ouais. C'était bien essayé. Ouf. Et oh là là, mais c'est pas vrai. Et c'est tellement bien régénération en vrai. C'est hyper fort. Ah non, il m'aura pas tout tué. Il m'aura pas tout tué, mais quand même j'aurais pris très très cher et je lui aurais fait, en fait, c'est surtout ça. À chaque fois, je lui aurais fait très très peu de dégâts. Parce que j'ai pas fait assez de dégâts. Eh ben, merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres matchs sur Sovl ou pour autre chose. Ciao, ciao.